toujours à être les artisans de paix. Amen. Amen, amen. 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 Une question? Allô? Oui. Moi, j'ai une question. Ça concerne les événements actuels. Est-ce que souvent j'ai été interpellée en tant qu'enfant de Dieu? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe autour dans le monde, ce que ça peut vouloir dire à nous chrétiens. Par exemple, la dernière fois, cette semaine, j'ai suivi les informations. Et j'ai vu que, en fait, on veut donner la capitale d'Israël à Jérusalem. Bon, moi, personnellement, ça m'a interpellé. Parce que je veux comprendre à peu près qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, chrétiens, qu'est-ce que ça peut vouloir annoncer, etc. Parce que je ne suis pas tellement éclairée là-dessus. Amen. Donc, on peut prendre la parole de Dieu dans... Commençons par Luc chapitre 21. Il y a une prophétie que Jésus avait donnée dans Luc chapitre 21. Donc, si on prend Luc chapitre 21, à partir du verset 20, Luc chapitre 21, à partir du verset 20, il est écrit: lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Dans ce texte-ci, pour comprendre le contexte, remontons complètement, presque au début, à partir du verset 5, pour comprendre dans quel contexte le Seigneur Jésus parle. Luc 21, verset 5 dit: « Comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Verset 7, « Ils demandaient, Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe annonçant ces événements? Jésus répondit: prenez garde d'être séduits, car beaucoup viendront sous mon nom et ils diront, c'est moi, et le temps est proche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement, mais ça ne sera pas tout de suite la fin. Alors une nation s'élèvera contre une autre nation et ainsi de suite. On comprend qu'il s'agit des événements précédant le retour de Jésus-Christ. Donc, retournons donc où nous étions, c'était au verset 20, où il dit: lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors, de ceux qui seront en Judée, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem
s'en retire et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. Tout ça, on parle de Jérusalem parce que Jérusalem sera le théâtre de grands affrontements. On va voir ça tout à l'heure dans Zacharie 14 et Zacharie 12. Donc, ensuite, maintenant, c'est pour ça que le Seigneur demande de ne pas entrer dans cette ville-là, dans ces moments-là. Donc, ensuite, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Jérusalem est vraiment la ville, si on reprend l'histoire depuis la Genèse, en fait, c'est la ville où le Seigneur a choisi de faire résider son nom. C'est pour ça qu'il y a autant de luttes, de batailles. On peut donner la terre entière aux musulmans pour qu'ils prennent ça comme leur capitale. Ils vont seulement vouloir le petit lopin de terrain là qui est à Jérusalem là-bas. Parce que le nom du Seigneur est là et donc le diable se déchaîne. En fait, c'est un combat spirituel de puissance pour détenir cet endroit-là. Parce que le Seigneur a décidé de faire résider son nom là-bas. Le diable veut que son nom soit aussi dans cet endroit-là. C'est ça le combat spirituel qu'il y a là-bas. Donc, ensuite, maintenant, il est dit ici au verset 23, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays, on parle d'Israël, dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi les nations. » Et maintenant, ça c'est une prophétie qui s'est accomplie une première fois en l'an 70 quand le temple a été détruit. Et il dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On sait que depuis l'époque du livre de Daniel où Nebuchadnezzar était venu prendre possession d'Israël et notamment de Jérusalem, jamais Jérusalem n'a plus appartenu à 100% aux Juifs. Même quand ils sont revenus de la captivité après les Babyloniens, il y a eu la Grèce d'Alexandre le Grand, après il y a eu après Babylone, il y a d'abord eu les Mèdes et les Perses, après eux il y a eu Alexandre le Grand avec la Grèce. Après, il y a les Romains maintenant qui sont venus occuper, c'était au temps de Jésus. Et depuis ce temps-là, après, ils sont partis, il y a eu les musulmans qui sont arrivés, il y a eu l'Empire ottoman des Turcs qui sont arrivés, et ainsi de suite. Après, les Palestiniens, jusqu'à présent, Jérusalem n'a jamais appartenu à 100% aux Juifs. Pourtant, c'est le nom, c'est la ville dans laquelle Dieu a fait résider son nom, et c'est la ville qu'il avait donnée au roi David. Donc ici maintenant, il nous est dit que Jérusalem sera foulée, donc occupée par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et là, c'est un signe annonciateur, en fait, quand on voit Jérusalem revenir comme propriété, comme ça semble aller dans ce sens-là, pour redevenir la propriété des Juifs, il faut qu'on fasse attention. Parce que le temps des nations, le temps où les nations ont occupé ce terrain-là, donc quand on parle des nations, ce sont les non-juifs, ont occupé ce terrain-là, ce temps-là est accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme, ainsi de suite. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une grande nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Donc on comprend déjà que tout cela est lié au retour du Seigneur. Et maintenant pour nous, comme tu disais ma soeur, nous enfants de Dieu, il dit quand cela commencera à arriver, voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Il dit redressez-vous. Donc, si j'étais courbé, qu'est-ce qui va me rendre courbé? Souvenons-nous de la femme à la perte de sang, qui avait le dos courbé.
Oh, non, c'est pas celle qui avait là. Il y avait une dame qui avait le dos courbé et le Seigneur disait que, je crois, il a guéri un jour de ça va, et puis il disait que ben, cette femme-là également est aussi un enfant d'Abraham, et puis elle a été maintenue, je ne sais pas si c'était 18 ans ou 12 ans, courbée comme ça par Satan. Il faudrait qu'il la guérisse pour qu'elle se redresse. Dans nous, ce qui nous rend courbés comme ça, c'est le fait d'être dans la désobéissance à Dieu. C'est pour ça que Satan peut nous toucher. 1 Jean chapitre 5 verset 18, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc c'est la main du malin, comme Jésus a dit, Satan a maintenu courbée cette femme-là. Donc le péché peut nous maintenir courbés. Il dit, redressez-vous, c'est la sanctification davantage. Apocalypse chapitre 22, que celui qui se sanctifie encore davantage. Donc, il demande de se redresser. Donc, comme la sœur Célina nous disait, de sortir des situations compliquées, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est de faire nos effets, vider nos bagages. Parce que pour monter pour l'enlèvement, il faut que nous soyons, que nos bagages soient vides, qu'on n'ait pas des excédents de kilos. Donc, il dit, quand cela commencera à arriver, redressez-vous et levez la tête. Pour lever la tête vers le Seigneur, il faut vraiment que nos effets soient en ordre. Parce que votre délivrance est proche. Quand le temps des nations est accompli à Jérusalem, précisément, quand ils ont foulé aux pieds, maintenant, Jérusalem va revenir, les Palestiniens, on va redonner Jérusalem comme capitale aux Juifs pour eux. Là, le temps des nations qu'ils ont occupé, là, les nations dont les non-juifs, le temps qu'ils ont occupé sera terminé. Il nous a dit de redresser notre tête. Ensuite, le verset 29 est encore plus précis. Il dit, et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Le figuier est une image d'Israël, dans la parole de Dieu, toujours, du peuple de Dieu. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils bourgeonneront, vous savez de même en regardant que déjà l'été est proche. De même aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, lorsque on va voir le figuier Israël commencer à bourgeonner là et tout ce qui est en train de bouger là, sachant que le royaume de Dieu est proche. En vérité, il nous rajoute que cette génération qui voit ces choses-là arriver ne passera point sans que tout cela n'arrive. Donc voilà ça qui est clairement écrit dans notre Bible avec les versets qui sont là. En plus, il précise que le ciel et la terre ne passeront pas. Le ciel et la terre ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront autant pour moi, mais mes paroles ne passeront pas. Et maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà ce qu'il nous donne. Quand nous voyons tout ça arriver à Jérusalem, il nous dit, prenez garde à vous-même. De crainte que nos cœurs ne s'appesantissent par les excès. Nous devons être sobres maintenant que nous voyons ça. Nous devons commencer à nous préparer. Et voilà de quelle manière. Être sobres. Donc, évitons les excès, parce que ces excès-là vont nous rendre, nous affaiblir dans la prière, dans le discernement, et ainsi de suite. Évitons l'ivrognerie, les soucis de la vie. Quand tu regardes la télé, tu regardes tout ce qui se passe à Jérusalem, c'est là où la pluie de factures, de toutes sortes de soucis de la vie, les enfants, ça ne va pas bien à l'école, au travail, on t'insulte, tous ces soucis de la vie là vont venir en pluie pour te distraire, en fait. C'est pour ça qu'il met le doigt dessus, il dit de faire attention aux soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, ce qui ne devrait pas arriver pour un enfant de Dieu. Parce que les soucis de la vie, les excès, tout ce que nous voyons là, peuvent détourner le regard d'un enfant de Dieu. Peuvent lui faire oublier quand il voit Jérusalem. Pourtant, tout est écrit ici, là.
peuvent lui faire oublier que, en fait, quand tu vois le figuier bourgeonner, tu vois tout ce qui se passe à Jérusalem, là, tu dois comprendre que le royaume de Dieu est proche. Donc, au lieu de redresser la tête, de se redresser et lever la tête, lui, il sera préoccupé par les excès, les soucis de la vie. Et ce jour-là va le surprendre. Gardons un doigt dessus. Si on va dans 1 Thessaloniciens, ce qui ne devrait pas être le cas. Pourquoi je dis que ça ne devrait pas être le cas? Parce que 1 Thessaloniciens le dit. Il dit que ça ne devrait pas être le cas pour nous. 1 Thessaloniciens, parce qu'un enfant de Dieu est censé veiller de manière permanente. Parce qu'il sait que si ce n'est pas le retour de Jésus, la mort peut le prendre à tous les moments. Donc, c'est écrit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Il est écrit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des fils de lumière, fils du jour. » Pourquoi? Parce que nous vivons de manière permanente dans la sanctification. C'est pour ça que nous sommes mutuellement en communion, comme nous dit 1 Jean chapitre 1, verset 5, 6 et suivant. Donc, et il nous dit, pour demeurer des enfants, justement, du jour-là, pour que ce jour-là ne nous surprenne pas, ne dormons donc pas, comme les autres, mais veillons, soyons sobres. C'est ce que je disais pour éviter les excès là-bas. Soyons sobres, ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, mais nous, nous sommes du jour, revêtons, on avait partagé ça la dernière fois, pour être prêts de la cuirasse de la vie, ainsi de suite. Donc, il nous dit ici, je reviens dans Luc chapitre 21, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous voyons tout ce qui se passe en Israël, là, on a des directives bien précises ici, là. Comme le filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Donc, il va avoir un événement mondial qui va venir sur la surface de la terre. Mais ceux qui veillent, justement, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Donc, on doit redoubler encore dans la prière maintenant. Pour avoir le discernement, prier en tout temps, quand on voit ce qui se passe à Jérusalem là, afin que vous ayez la force d'échapper, parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements, il va falloir avoir du discernement dans tout ce qui se passe, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme, parce que c'est ça qui est l'objectif. Donc, voilà déjà une bonne partie claire de la prophétie qui est en train de se passer là sous nos yeux. Enfin, c'est la fin hein, de la prophétie. C'est quelque chose qui a commencé déjà il y a un bon moment. Donc, et maintenant, si nous prenons dans Zacharie, chapitre 12, c'est écrit « Délivrance de Jérusalem ». Zacharie, chapitre 12, donc, menace parole de l'Éternel sur Israël. Oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Verset 2, Zacharie 12, 2. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Regardons comment une décision qui est prise par les Américains, parce que ça concerne Jérusalem, regardez tout ce que ça remue dans le monde entier. Vous prenez une décision comme ça dans une ville, je ne sais pas moi, ici à Marseille ou bien ailleurs, ça sera un non-événement. Mais comme ça touche la ville sur laquelle le nom du grand roi est invoqué, tout le monde en parle, toute la terre en parle. Les gens ignorent, quand quelqu'un reste et dit, moi je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe. En fait, ce sont des preuves réelles que Dieu existe. Pourquoi ça secoue tout le monde comme ça? Il y a beaucoup d'autres événements de cette nature-là qui se passent en Afrique là-bas, tous les jours on entend ça, mais ça ne touche personne. Mais comme ça concerne Jérusalem, c'est un problème mondial, direct. Parce que c'est écrit ici, voici, moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Pour tous les peuples d'alentour. Vous avez vu comment
Les Jordaniens, les Syriens, tout ça, ils sont en train de faire le bruit là-bas autour d'Israël, non? À cause de ça. Donc, pour tous les peuples d'alentour, d'à côté, quand ta Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. Il dit, verset 3, en ce jour-là, nous sommes dans ces jours-là. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante à soulever pour tous les peuples de la terre. Regardez la foudre que les Américains sont en train de se prendre juste parce qu'il a osé faire quelque chose en incluant Jérusalem là-dedans. Tous les peuples de la terre. Il n'y a personne qui se lève pour dire qu'on soutient le président américain. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui se soulèveront seront gravement meurtris. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris. Donc, tous ceux qui essaieront de prendre des décisions par rapport à Jérusalem, non. On va séparer, on va faire des capitales, elle sera capitale de deux pays, une seule ville est capitale de deux pays. Mais où est-ce qu'on a vu ça dans le monde? Où une même ville peut être capitale de deux pays? Tout ça là, c'est le diable qui est en train de discuter la ville dans laquelle le nom du Seigneur est invoqué. C'est ça que le chrétien doit comprendre. C'est un combat qui est spirituel. Ne regardons pas ça avec les yeux des profanes. Les collègues vont dire, ben non, les Palestiniens, ils ont droit aussi à la terre, partageons là, il faut partager la. C'est le diable, mes frères, c'est le diable qui parle comme ça. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. C'est un combat spirituel qui a commencé depuis le livre de la Genèse, Ismaël contre Isaac dans la maison d'Abraham. Sarah a commencé par dire, fais partir Agar avec son fils. C'est là que les problèmes ont commencé. Et Abraham a prié pour Ismaël. Et la prière d'Abraham a été exaucée et le Seigneur a fait la promesse. C'est pour ça que les musulmans ne peuvent pas bouger de là. Abraham a même circoncis son fils. Ismaël a été circoncis. C'est écrit là dans Genèse 18. Ismaël est entré dans l'alliance de Dieu parce qu'il a été circoncis, pas le huitième jour, mais à 13 ans. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, un homme, les Nations Unies, tout ce qu'ils font comme réunion, personne n'a la solution. Seul le prince de paix a la solution, Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut amener la paix là-bas. Tout ça, là, ça a commencé. Si on prend Genèse, hein, prenons Genèse chapitre 17. Ça a commencé ici, hein, le problème là. Le problème que nous voyons aujourd'hui à la télé là. Ça a commencé depuis ici là. Dans la Bible. Si nous prenons Genèse chapitre 17, je crois que c'est Genèse chapitre 17, verset 23. C'est écrit: Abraham prit son fils Ismaël et tous ceux qui étaient dans sa maison. Tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncit. Ça, c'est le signe de l'alliance avec Dieu. Hein. C'est ce qui est écrit là au-dessus. Déjà, Dieu, voilà Dieu qui bénit Ismaël, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai. Et je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'extrême. Et il engendrera 12 princes. Vous avez vu comment les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, comment ils sont riches à cause du pétrole. Les Qataris qui ont acheté presque tout ici en France.
Voici la bénédiction qui est prononcée par Dieu là dans la parole. À l'égard d'Ismaël, je le bénirai. Voilà, ça, c'est ça qui est écrit là. C'est ça qu'on voit là aujourd'hui. Les Saoudiens et tout ça qui brassent les pétrodollars et tout. Voilà, c'est écrit ici là. Mais c'est une bénédiction matérielle. Donc, je le bénirai et je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. On voit toutes les nations arabes qui sont au Proche-Orient et partout là, ce sont des grandes nations, ce sont les descendants d'Ismaël. Mais, en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque de l'année prochaine. Donc, voilà ce que donc, Abraham a fait. Il va dans les circoncis le jour même. Nous sommes au verset 23. Comme Dieu le lui avait dit, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Voilà le verset 25 qui dit que son fils Ismaël était âgé de 3 ans lorsqu'il, de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce jour même, Abraham fut circoncis ainsi que son fils Ismaël. Voilà comment les musulmans sont entrés. Abraham a introduit aussi les musulmans là, dans l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi les musulmans vont se convertir et se convertissent déjà en masse, comme on peut voir dans Ésaïe chapitre 19. C'est parce qu'ils sont entrés dans l'alliance. Le Coran est le seul livre qui n'est pas de Dieu, mais qui permet, si quelqu'un lit le Coran, d'arriver et de trouver le vrai Jésus. Même comme le socle qu'ils utilisent ne vient pas de Dieu, Dieu a mis là-dedans. Quand tu vas lire, on va te demander d'aller lire l'Injil, c'est les évangiles, on va te parler de Jésus, même si ce n'est pas le vrai Jésus, pour t'amener au vrai Jésus. Donc si tu sors du Coran, tu obéis au Coran, en sortant de là, tu vas lire les évangiles, tu vas te convertir. Et ça, ça n'existe dans aucune religion. Ça, ça fait partie déjà de la bénédiction de Dieu là sur Ismaël, et aussi de ce que Abraham a circoncis Ismaël, il est donc entré dans l'alliance de Dieu. Donc, il y a un plan de salut pour les musulmans, et c'est écrit dans la Bible. Regardons dans Ésaïe chapitre 19. Après, je vais revenir sur Jérusalem. Si nous regardons Ésaïe chapitre 19, si nous prenons à partir du verset 16. Donc, en ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et elle aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Quand il la lèvera la main contre elle, la terre de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Quiconque l'évoquera en aura peur à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce jour-là, quand on parle de « en ce jour-là », c'est une expression prophétique pour parler des temps de la fin. Il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. La langue de Canaan, ce sont des langues juives en fait, hein. C'est ça. La langue de Canaan, c'est écrit ici dans ma Bible que c'est l'hébreu et l'araméen. Donc, 5 villes d'Égypte, sachant que, rappelons-nous que l'Égypte, c'est le pays d'Ismaël. C'est l'origine des musulmans, en fait, ici. L'origine des Arabes. Donc, ensuite, il dit, qui parleront dans... En ce jour-là, dans les temps de la fin, il y aura 5 villes en Égypte dont
des villes arabes qui parleront les langues de Canaan, donc l'hébreu, l'araméen, et qui prêteront serment à qui? À l'Éternel des armées. Ça, c'est la conversion des musulmans. C'est écrit ici. Et qui prêteront serment à l'Éternel des armées. Et l'une d'elles sera appelée, dont le nom est là, en ce jour-là, les temps prophétiques, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. L'Égypte étant la terre d'Ismaël et Agar, dont l'origine des musulmans, on nous dit qu'il y aura un autel pour l'Éternel dans la fin des temps là-bas. Et près de la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, il faut comprendre que le pays d'Égypte symbolise l'origine des Arabes, des musulmans. Quand ils crieront à l'Éternel, donc ils vont crier à l'Éternel à cause des oppresseurs, eux-mêmes vont subir également l'oppression, et il leur enverra un sauveur. Parce qu'on ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit. Le sauveur est le même pour tout le monde. Dieu va donc leur envoyer un sauveur. On a vu les images en Égypte, là où des gens chantaient pendant 2 heures Yeshua, Yeshua, Yeshua. C'était en pleine Égypte que des musulmans criaient comme ça à Jésus. Donc, et il leur enverra un sauveur et prendra leur parti pour les délivrer. L'Éternel sera connu des Égyptiens, il faut entendre des musulmans ici. C'est ce qui est écrit dans notre Bible. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là, dans les temps de la fin. Ils rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront un vœu à l'Éternel et les accompliront. L'Éternel, ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, comme il a fait dans Osée aussi aux Israélites. Et ils se convertiront à l'Éternel, c'est ce qui est écrit là, les musulmans, en tout cas une bonne partie, ils se convertiront à l'Éternel. Il se laissera fléchir et les guérira. En ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte, donc une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens, c'est l'image des païens que nous étions. L'Égypte, c'est l'image des musulmans. Donc, entre les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens rendront un culte à l'Éternel. Musulmans et païens, anciens païens convertis, rendront un culte à l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera un troisième. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et la Syrie à être une bénédiction pour toute la terre. Les païens, les musulmans et les juifs, tous convertis à l'Éternel dans la fin des temps. Donc, ça, c'était juste une parenthèse par rapport aux musulmans. Verset 25, que l'Éternel des armées bénira, il bénira tous ces peuples-là. Béni soit l'Égypte, mon peuple. C'est Dieu qui dit ça, des musulmans, à la fin. La Syrie, les anciens païens, œuvre de mes mains, parce que racheté par le sang de Jésus-Christ, et Israël, mon héritage. Donc, tous ensemble. Ça, c'est la prophétie que le Seigneur donne pour la fin des temps. Revenons dans Ésaïe chapitre 12 et Zacharie chapitre 12 pour finir par rapport à Jérusalem. Donc, nous en étions au verset 4. Zacharie chapitre 12, verset 4. Donc, on a compris que Jérusalem, justement, sera une pierre pesante pour toutes les nations, pour tous les peuples qui vont essayer de la soulever, ainsi de suite.
Et si on lit la suite maintenant des événements, nous pouvons lire en détail, hein? Donc en détail tout ce qui va se passer. Si nous prenons à partir du verset 7, on va voir qu'on parle là du retour du Messie. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la splendeur de la maison de David, afin que la splendeur de la maison de David, la splendeur de l'habitant de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, temps de la fin, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. S'il y en a qui trébuchent parmi eux, il sera en ce jour-là comme David et la maison de David et sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est ça que nous sommes en train de voir arriver, hein. Les nations vont affluer pour essayer, puisque maintenant cette ville-là va être rétrocédée aux Juifs, comme la parole de Dieu le dit, parce que le Seigneur leur a donné cette ville-là. Ça va faire monter l'antisémitisme dans le monde entier. Et cet antisémitisme-là va pousser toutes les nations à dire non, c'est injuste, alors que c'est contre la parole de Dieu. Et donc, toutes les nations vont s'unir, se liguer contre Jérusalem. C'est ce qui est écrit ici, là, dans Zacharie 14, verset 1. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Et le Seigneur laisse que Satan pousse les nations comme ça à aller attaquer Jérusalem parce qu'il a prévu quelque chose là-bas. C'est là-bas qu'il attend les nations. C'est écrit ici, voici qu'un jour arrive pour l'Éternel, Zacharie 14. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations. Ça commence par là. Qui c'est qui a suivi Donald Trump dans ce qu'il a dit qu'il déplace la capitale américaine de Tel Aviv à Jérusalem? Aucune nation. Toutes les nations vont là-bas parce que toutes les nations sont contre. Et ça va attiser la haine des nations. Ou bien, entre guillemets, dans leur tête, c'est rétablir justice. Ils vont aller attaquer Jérusalem pour redonner cette ville-là, une partie de la ville ou même toute la ville aux Palestiniens. Voilà ce que Dieu est en train de faire. C'est écrit dans la Bible là. Il dit, je regrouperai toutes les nations à Jérusalem. Elles vont venir là. On parle déjà de l'intifada et tout ça. Ça commence par les musulmans. Après, les Russes vont rentrer là-dedans. Là, on va tomber dans Ézéchiel chapitre 38 qui va s'accomplir littéralement. Donc ici, là, il dit, je regrouperai toutes les nations, dont tous les peuples de la terre. Chaque peuple essaye de dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que Donald Trump a fait. Tout le monde, il n'y a pas une nation qui se tait par rapport à ça. Je regrouperai toutes les nations, elles vont donc monter là-bas pour essayer de rétablir, entre guillemets, leur justice à eux, à Jérusalem. Pour le combat, elles ne savent pas qu'elles vont là-bas pour le combat. La ville sera prise. Ça, c'est d'abord ce qui va arriver dans un premier temps. Mais si le Seigneur fait ça, c'est pour sauver son peuple. C'est pour que son peuple arrête de compter sur ses propres forces, qu'il soit isolé et qu'il crie vraiment de tout leur cœur à l'Éternel. Là, le Seigneur va envoyer le sauveur. Pour nous, nous devons comprendre ça par rapport au retour de Jésus, dont la ville sera prise, les maisons seront mises à sac, les femmes seront violées là-bas à Jérusalem, et la moitié de la ville partira en déportation. Mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville, donc il restera un peuple là-bas. C'est là, maintenant, quand Israël sera abandonné de toutes les nations, là. Quand aucune nation... Peut-être même les États-Unis qui ont dit qu'ils déplacent leur capitale à Jérusalem, eux-mêmes ils vont abandonner Israël. Là maintenant, ils vont crier à l'Éternel. L'Éternel sortira et combattra ces nations. Toutes les nations qui sont venues à Jérusalem là pour donner la ville aux Palestiniens, l'Éternel combattra cette nation comme au jour où on combat, au jour de la bataille. Ses pieds, les pieds de qui? De l'Éternel.
se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Nous sommes à Jérusalem ici. Qui est vis-à-vis de Jérusalem? Du côté de l'Orient. Donc on voit que tout ça, c'est immédiatement en rapport avec le retour de Jésus. Donc lorsque nous voyons ça, nous pouvons dire plus que jamais que la main même du Seigneur est déjà sur la porte comme ça pour revenir, pour ouvrir. Parce que les événements sont en train de se dérouler littéralement devant nos yeux. Donc le Seigneur va venir, comme nous voyons là, sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans les vallées. Il parle au peuple qui sera là-bas en Israël. Vous fuirez alors dans les vallées des montagnes, car les vallées des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra. Ça, c'est le retour de Jésus-Christ physique. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints. Et tous ses saints seront avec toi. Là, le Seigneur va revenir. Donc, alors, en ces jours-là, il y aura la lumière, le froid, et nous pouvons lire toute la suite jusqu'à la fin. Donc ça, c'est écrit comme ça dans notre Bible. Ce que nous sommes en train de voir à la télé, là, c'est passé. C'est quelqu'un ouvre la Bible, il peut déjà imprimer le journal de ce qui va arriver. Avant que tous les journaux là n'écrivent l'histoire, c'est écrit ici là déjà. Donc ensuite, il dit, je reviens dans Zacharie 12, on avait arrêté au verset 9. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et on a lu le détail dans Zacharie 14. Et le Seigneur fait ça dans un but maintenant, c'est de racheter Israël. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Voilà le cœur de la prophétie, Jérusalem. C'est littéralement dans notre Bible. C'est pour ça qu'il y a autant de convoitises dans cette ville-là. On peut donner toute la terre, tout le reste de la terre aux nations, à Satan. Il ne sera pas. C'est là où le nom de notre Seigneur, là où c'est dans la Bible-là. Pourquoi? Parce que Satan se dit que s'il prend Jérusalem, c'est terminé. Jésus ne va pas revenir, les prophéties ne peuvent pas s'accomplir. C'est ça qui se joue là-bas à la télé que nous voyons là. Alors je répandrai sur la maison de David, verset 10, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. C'est le fait justement que Israël, et notamment Jérusalem, sera attaqué comme ça par toutes les nations et abandonné à son propre sort. C'est là qu'ils vont crier maintenant vraiment de tout leur cœur au Seigneur. Parce que personne d'autre sur la terre ne pourra plus les défendre à part le Dieu. Ils vont se souvenir du Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils vont crier à lui. Un esprit de grâce et de supplication dont ils vont supplier. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, vers Jésus-Christ. Ils vont se tourner vers Jésus-Christ qu'ils ont transpercé. Et ils vont porter le deuil, comme on porte le deuil sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui. C'est là qu'ils vont voir vraiment, reconnaître que le Messie là, c'est lui que nous avons crucifié. Celui qui vient nous sauver maintenant que tout le monde nous a abandonné, c'est lui que nous avions crucifié. Parce que le Seigneur va venir avec les traces de la croix encore sur lui.
En ce jour-là, le deuil sera grand. Nous sommes au verset 11. Où? À Jérusalem toujours. C'est pour ça qu'il y a tous ces combats-là. Si Jérusalem n'appartient pas aux Juifs, tout ça-là ne peut pas s'accomplir. C'est ça que le diable est en train de jouer là-bas à Jérusalem. Pour empêcher que tout ce que nous lisons là s'accomplisse. Parce que si ce n'est pas aux mains des Juifs, Jésus revient là pour sauver les Juifs. Tout ça là que nous lisons là, ça ne va pas s'accomplir. Donc, soyons éclairés quand si nous, il nous arrive d'aborder ce sujet-là avec des inconvertis, si nous participons à cette discussion-là, il faut être lucide spirituellement. Sinon, le diable va vous entraîner à participer aux conversations antisémites et donc à nous opposer à la volonté de Dieu que nous sommes en train de vivre. Donc, il faut être sage par rapport à ça. Soit on ne parle pas, soit on écoute les autres parler, mais quand on intervient de manière précise par rapport à ce que la Bible dit. Évidemment, ça va attirer les foudres sur nous, parce que c'est l'esprit de Satan. Le monde entier, il a dit que les nations entières, le monde, toutes les nations vont attaquer Jérusalem. Donc, ne soyons pas étonnés que nous travaillons quelque part dans toute une entreprise. Nous serons peut-être la seule personne, avec peut-être un juif qui travaille aussi là, les seuls à dire ce qui est là dans la Bible. Les seuls à défendre la position que Dieu a dit là. Cela va entraîner la foudre des collègues, de tout. Mais comment tu peux penser comme ça? Comment tu peux dire ça? C'est l'esprit de Satan, de l'antichrist en fait, qui agit dans ces personnes-là. Parce qu'elles ne savent pas la vérité de ce qui est écrit ça. Parce qu'elles n'ont pas une lecture spirituelle du combat qui est en train de se passer sur la ville de Jérusalem. C'est un combat spirituel. C'est Satan qui essaye d'occuper le terrain. Comme il a dit qu'il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu et se déclarer Dieu lui-même, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alors, donc il dit, en ce jour-là, nous sommes au verset, on le deuil sera grand comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Et donc, si on lit toute la suite, on va voir comment les Juifs vont mener le deuil. Ça, c'est la repentance nationale d'Israël qui reconnaît le Messie. Comme nous aussi, nous avons pleuré sur notre péché quand on s'est converti. Donc, de la même manière, les Juifs vont devoir faire aussi ce travail-là pour être sauvés. Voilà donc l'accomplissement de ce que Paul nous a dit dans Romains chapitre 11. Prenons Romains chapitre 11. Paul nous a dit ça, ici, là. Romains chapitre 11, versets 25 et 26. Romains chapitre 11, versets 25 et 26. Il nous a dit ici, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. C'est Paul qui nous dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Nous sommes dans les derniers temps où ceux qui ne sont pas juifs doivent encore entrer dans l'église. Après, ça va être fermé pour nous et Dieu va se réoccuper d'Israël comme avant. Donc, il dit ici, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le salut. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. C'est ce que nous avons lu dans Zacharie 12 et Zacharie 14. Le libérateur qui va venir lorsque Jérusalem sera investie par toutes les nations de la terre. Parce que, et ce qui va susciter, en tout cas l'une des raisons qui va susciter, c'est parce qu'on a officiellement redonné Israël aux Juifs, Jérusalem aux Juifs totalement. Alors que les musulmans disent que c'est le troisième lieu saint de l'islam. Parce qu'il y a la mosquée d'Omar, là-bas, le dôme du rocher qui est là-bas, qui est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. C'est
l'esplanade des mosquées, là, le dôme du rocher qu'on voit tous les jours à la télé. C'est de là que Mohammed se serait envolé dans le ciel sur un cheval et il est revenu avec le Coran. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un lieu saint. Mais nous, nous savons que c'est le lieu aussi où le temple de Salomon demeure. On voit le mur sur lequel les Juifs vont prier tout le temps, comme ça, les derniers remparts du temple de Salomon. Donc, continuons ici. Le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés et elle sera mon alliance avec eux et j'ôterai leurs péchés. Donc, voilà comment le Seigneur vient pour délivrer Israël. Le plan final du salut est en train de s'accomplir tel que nous avons pu voir. Ça nous permet vraiment d'être avisés sur ce que nous voyons à la télé là, de savoir exactement ce qui est en train de se passer. Alors, intéresser nous tous pour vraiment lire spirituellement ce qui est en train de se passer. Si nous avons encore un peu de force, il faut lire dans Ézéchiel chapitre 38. Là, on cite nommément les nations qui vont venir en Israël. Il faut juste savoir les noms anciens là à quoi ça renvoie. Alors, donc, si on étudie Ézéchiel 38, on va voir que dans cette fin, il y a la Russie qui va s'associer à l'Iran pour attaquer Israël. Et puis, il y a des nations comme l'Éthiopie, la Libye, ainsi de suite, l'Allemagne même, qui vont venir se joindre en fait à toutes ces nations-là pour attaquer Israël. Et c'est là on a cité clairement toutes les nations qui vont venir pour attaquer ce pays tranquille et comment le Seigneur va intervenir en ce jour où Gog viendra contre le territoire d'Israël, oracle du Seigneur, la fureur me montera aux narines. Je déclare dans ma jalousie, un feu, mon courroux, ainsi de suite. C'est vraiment la vérité que nous lisons dans la parole de Dieu. Il n'y a que 23 versets, on peut se lancer là-dedans. Il est écrit, Ézéchiel chapitre 38, à partir du verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Donc, quand je regarde ici, là, dans ma Bible, il y a un renvoi. Le personnage de Gog conquérant venu du nord est quelquefois identifié à Gized, roi de Lydie, laquelle, dans ce cas, serait appelée Magog. Genèse chapitre 10, verset 2. Des tablettes égyptiennes désignent la région de Carchemish. En haut, sur le haut de l'Euphrate, sous le nom de Matoa Gagaya. Donc, ce qui veut dire pays de Gagaya. Cependant, ce texte
qui est de caractère apocalyptique d'ailleurs, repris dans Apocalypse chapitre 28. Non, on parle de Gog et de Magog aussi. Magog apparaît comme comme un second personnage qui vise l'avenir, donc plutôt que les événements contemporains du prophète. Bon, soit. Donc ensuite, maintenant, vers le prince de Roche. Alors, chez moi, ici, il renvoie le I. Alors, ça renvoie à quoi? Identification, donc, signifie tête, Roche. Donc, c'est un prince suprême. Ok, Meshek et Tubal. Ça, ça renvoie à la Russie, ça. Ça, j'avais fait des recherches par rapport à ça. Tubal, notamment. Ça renvoie à la Russie. Donc, ici. Alors, dans le pays littoral du sud de la mer Noire, voilà, ok, donc, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur, me voici contre toi, Gog, prince de Roche de Meshek. Donc ça, c'est renvoi à la Russie avec son chef d'État, ainsi de suite. Je t'entraînerai. Et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir de toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, rassemblement nombreux portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Donc ça, c'est la guerre qui se déclare. Et avec eux, on parle des alliances maintenant, la Perse. La Perse renvoie à Élam dans la Bible et renvoie à l'Iran actuel. La Perse, c'est l'Iran actuel. Donc, avec l'Éthiopie et Pout. Pout, c'est la Libye. Donc, Pout renvoie à la Libye actuelle. En fait, il faut juste prendre les noms anciens là et regarder sur les cartes qui sont souvent dans nos Bibles pour restituer à quoi ça renvoie tout ça. Donc, ensuite, tous portant le bouclier et le casque Gomer. Je crois que Gomer renvoie à l'Allemagne ici, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Donc, et toutes ses troupes. La maison de Togarma. Donc, P ici, là, dans ma Bible, il y a les renvois en bas aussi, hein, chez moi. Donc, il parle de la Phrygie ou de l'Arménie. Donc, Togarma, ici, là, c'est l'Arménie qui va se joindre avec Gomer, qui serait l'Allemagne. Et tout ça avec la Russie, la Libye, l'Éthiopie, l'Iran, lié à la Russie, déjà. Voilà toutes les nations qui sont en train de se réunir là. Donc, au plus profond du nord. Donc, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Tout cela, ils sont avec le prince de Gog et Magog, le prince de Roche et de Meshek Tubal. Là. Ils sont associés à la Russie. Nous savons bien que ça fait longtemps qu'il y a des embargos et des menaces sur l'Iran. Parce qu'on dit qu'ils enrichissent, c'est l'uranium hein, pour fabriquer la bombe atomique. Mais si vous allez faire des recherches, vous allez voir que ceux qui travaillent dans les laboratoires iraniens, ce sont des Russes. Voilà, ça c'est écrit dans notre Bible. Alliance entre la Russie et l'Iran. Et on va voir le but justement de cette alliance-là. Donc, et toutes ces troupes. Ensuite, maintenant, c'est dit au verset 7, « Prépare-toi. » Tiens-toi prêt, toi et tout ce rassemblement. Là, on nous donne le détail de ce qu'on a vu de toutes les nations qui vont se réunir là pour venir attaquer Jérusalem, Zacharie 14. Prépare-toi et tout ce rassemblement autour de toi. Tu seras leur garde. Dans un avenir lointain, tu seras établi dans tes fonctions. À la fin des temps, on peut souligner ça. C'est ça qui nous montre que ce chapitre-ci dont on parle là, c'est à la fin des temps que ça va arriver. Dans les temps de la fin que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc, à la fin des temps,
tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été réunis au milieu, auront été réunis du milieu du peuple nombreux sur les montagnes d'Israël, qui demeurent désertes. Donc, toute l'alliance là, des nations dont on a cité là, l'Arménie, l'Allemagne, la Libye, l'Éthiopie, l'Iran, associés à la Russie, tout cela, ils viennent ici là, sur les montagnes d'Israël, qui demeuraient toujours désertes. Sortis du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ça, c'est Israël qui sera en sécurité dans ses demeures lorsqu'il sera agressé. Ils habiteront en sécurité. Ils vont être agressés par cette coalition de nations-là. Je ne crois pas qu'aucune des nations qu'on a citées là soit d'accord avec ce que Donald Trump est en train de faire. Au contraire, ne soyons pas surpris que les nations qu'on a citées là prennent le devant justement de ces revendications-là, disant que ce n'est pas normal. Donc ensuite, maintenant, donc on a dit « tu marcheras contre le pays », donc contre les montagnes d'Israël. C'était écrit au verset 8 là. Donc, « tu monteras », verset 9, « tu viendras comme un ouragan ». Donc, ils viendront comme un ouragan. « Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays d'Israël. Toi et toutes tes troupes. Ce sont les troupes-là qui viennent dans Zacharie 14 pour envahir Israël. Ensuite, et toutes tes troupes, et les nombreux peuples qui sont avec toi. Donc, il y aura vraiment une coalition de beaucoup d'armées terrestres qui vont aller là-bas pour combattre Jérusalem, qui vont accompagner la Russie et puis tout ce qu'on a cité déjà là. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront de ton cœur et tu formeras un projet maléfique. Beaucoup de gens sur la terre, animés par l'esprit de Satan, vont dire « Oui, c'est normal que les nations aillent combattre là-bas à Jérusalem pour rétrocéder la ville aux Palestiniens. » Les gens vont justifier ça, ils vont dire « Non, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas normal. » Donc une action militaire est justifiée. Faisons attention. Lorsque nous voyons les gens parler comme ça, faisons très très attention. Parce que c'est écrit là dans nos Bibles. Faisons attention à ne pas participer justement à ces mots-là que nous sommes en train de lire là, qui vont monter dans le cœur des nations pour aller attaquer Israël là-bas. Donc ensuite, maintenant, donc on a dit verset 10, ainsi le Seigneur l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là des pensées s'élèveront de ton cœur et tu formeras un projet maléfique. Le Seigneur appelle ça maléfique, toutes les nations qui vont aller attaquer Jérusalem là-bas, qui vont aller sur les montagnes d'Israël pour troubler un pays en sécurité, ce sont des projets maléfiques. Donc, si nous justifions ça dans nos conversations avec les gens, nous participons justement à ce projet maléfique. Maléfique, ça vient du malin. C'est un projet du malin, du diable, de Satan, qui veut s'emparer de la ville du grand roi, la ville de David. Donc, verset 11, « Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, Israël, j'attaquerai des hommes tranquilles. » Ils sont tranquilles chez eux, en sécurité dans leur demeure. Jusqu'ici, ils étaient en sécurité, des traités de non-agression, tout ça, ça a été signé depuis avec l'Égypte, ainsi de suite. La calmie était revenue et tout de suite, ça va repartir. En sécurité dans leur demeure et qui habiteront tous dans les villes sans murailles. Et qui habitent tous dans des villes sans murailles. Donc, sans protection. Ils ne se sont même pas protégés parce qu'ils étaient en sécurité. Et n'ayant ni verrou,
ni porte, j'irai prendre du butin et me livrer au pillage. Ça, c'est pour aller piller les richesses en Israël. Tu porteras la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations. Peuple recueilli du milieu des nations, là on parle de l'Aliya, le retour des Juifs sur la terre des ancêtres. On voit depuis 1882 des Juifs qui rentrent en masse, qui a même donné la création de l'État d'Israël. Donc voilà ce peuple qui est recueilli du milieu des nations. Donc ils sont rentrés justement en nombre chez eux, ayant du cheptel et des biens. Ils ne sont pas rentrés les mêmes vides en Israël. Ils sont rentrés, ils ont investi dans leur pays. Quand on voit une ville comme Tel Aviv, regardons comment Tel Aviv est une ville développée, belle. Une ville vraiment évoluée. C'était un désert, un vrai désert. Pendant que toutes les nations passaient là-bas, aucune n'a pu faire pousser une herbe dans ce pays-là. Mais quand ceux à qui Dieu avait donné la terre sont revenus, Dieu leur a donné la sagesse de faire pousser l'herbe dans ce pays-là. Au point où aujourd'hui, nous mangeons des fruits et tout ça qui proviennent d'Israël. À chaque fois que nous passons dans un rayon de supermarché et que nous voyons les fruits venant d'Israël, glorifions Dieu parce que c'est écrit dans notre parole. C'est écrit dans nos Bibles. Ce sont des fruits qui ont poussé dans le désert. C'est un signe que Dieu existe véritablement parce que c'est écrit là, dans la parole. Tous les peuples qui sont passés là-bas quand les Juifs étaient en déportation mondiale pendant 2000 ans, aucun n'a pu faire pousser une herbe là-bas. Aucun. Seuls eux, quand ils sont rentrés. Parce que Dieu avait parlé. Continuons. Donc, tu porteras la main, nous sommes à la suite du verset 12. Tu porteras la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant un cheptel et des biens, habitant le centre du monde. Pour Dieu, c'est le centre du monde, Israël, là que nous voyons, Jérusalem notamment, c'est le centre du monde. Séba et Dédan. Séba et Dédan. Ici, il me dit dans ma Bible que ce sont des nations d'Arabie, s'adonnant essentiellement au commerce. C'est ça. Attends. Sédan, les marchands de Tarsis. Tarsis, ici, dans ma Bible, c'est l'Espagne. Donc, ici, les nations d'Arabie et les marchands d'Espagne et tous leurs lionceaux, c'est-à-dire leurs princes, voilà, te diront, viens-tu pour prendre du butin? Et est-ce pour piller que tu provoques ce rassemblement? Alors, donc ensuite maintenant, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre le cheptel et les biens, pour prendre un grand butin. Eh bien, prophétise, fils de l'homme, tu diras à Gog, ainsi parle l'Éternel, lui, le jour où mon peuple Israël habitera en sécurité. Oui, le jour où mon peuple d'Israël habitera en sécurité, tu le sauras. Et tu viendras du lieu de ta demeure, du plus profond du nord. Quand vous regardez Israël, vous regardez le nord, c'est la Russie qui est au-dessus. Du plus profond du nord. C'est la Russie qui va inspirer tout ce déplacement-là du nord. Toi et de nombreux. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le souvenir de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis,
Les États-Unis sont un peu plus proches d'Israël et donc du coup, ça fait en sorte que automatiquement, ils sont, comment dire, les Russes sont pro-arabes, donc ils travaillent avec l'Iran et les États-Unis sont un peu plus pro-israéliens. Et donc ça fait le conflit de la guerre froide, en fait. C'est ça qu'on retrouve là. C'est ce que nous voyons là dans l'actualité. Donc ici, ensuite, maintenant. Il dit, verset 15, et tu viendras du milieu de ta demeure, du plus profond du nord, on parle à la Russie là, toi et de nombreux peuples avec toi, tous ceux qu'on a cités là, l'Éthiopie, l'Iran, la Libye, l'Allemagne, l'Arménie, ainsi de suite, avec des peuples nombreux. Tous montés sur des chevaux, un grand rassemblement, une armée nombreuse. Tu monteras contre mon peuple Israël. C'est ça que nous allons voir à la télé là. C'est ça qui va se. Voilà la dernière prophétie qui doit s'accomplir. Tu monteras contre mon peuple. Comme une nuée va couvrir le pays. À la fin des temps, le Seigneur ne fait que nous rappeler que quand nous voyons ça, c'est la fin, la fin. À la fin des temps, cela arrivera. Et je te ferai venir contre mon pays. C'est le Seigneur qui va les pousser à aller là-bas parce qu'il y a un jugement qui va s'accomplir dans Jérusalem pour les nations. Comme on a vu dans Zacharie chapitre 14 surtout. Donc, je te ferai venir contre mon pays, contre Israël. Afin que les nations me connaissent, parce qu'ils vont rencontrer Jésus-Christ là-bas à Jérusalem. Afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, sur les yeux d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce de toi que j'ai parlé autrefois par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferai venir contre mon peuple, que je te ferai venir contre mon peuple, notamment les prophéties qui annoncent le conquérant venu du nord. C'est dans Ésaïe chapitre 14, verset 31. Continuons. Donc, ensuite maintenant, donc, verset 18. Alors en ce jour-là, le jour où Gog viendra contre le territoire d'Israël, lorsque la Russie va descendre là contre le territoire d'Israël, oracle du Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera aux narines, parce que là, ils auront touché vraiment le cœur du Seigneur. La fureur me montera aux narines. Je te déclare dans ma jalousie et dans le feu de mon courroux, parce que c'est l'Éternel. Directement, n'oublions pas que la ville de Jérusalem est la prunelle des yeux de l'Éternel, des armées. C'est lui-même qui va venir pour combattre ces peuples-là, comme nous avons pu voir dans Zacharie chapitre 14. Il dit, verset 19, je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de mon courroux, lui, en ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre en Israël. Dieu va provoquer le grand tremblement de terre dont il parle dans Zacharie chapitre 14. Verset 20. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi parce que le Seigneur va descendre là-bas. Jésus-Christ va descendre. Souvenons-nous de Actes chapitre 1, verset 9. Quand Jésus-Christ est remonté vers le ciel,
Les apôtres et les frères et sœurs qui étaient là sont restés à regarder comme ça dans le ciel et deux anges sont apparus. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous regardez là? Ils étaient sur le mont des Oliviers. Acte chapitre 1, verset 9. Les anges ont dit, ce Jésus que vous voyez monter reviendra de la même manière. C'est ce que Zacharie 14 nous dit, que Jésus reviendra quand Jérusalem sera investie par les nations et il posera son pied sur le mont des Oliviers. Donc il reviendra de la même manière, c'est du mont des Oliviers qu'il était parti. Donc, poursuivons notre lecture ici. Donc il est dit que les poissons, verset 20, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, ainsi que les animaux de la campagne et tous les reptiles qui rampent sur le sol et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre vont trembler parce que le Seigneur Jésus-Christ est descendu à Jérusalem. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers tomberont. C'est ce qui est écrit dans Zacharie chapitre 14, quand le Seigneur pose ses pieds sur le mont des Oliviers, et toute muraille tomberont, et toute muraille tombera sur terre. J'appellerai l'épée contre lui, sur toutes mes montagnes, contre Gog, là, qui vient attaquer la Russie. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chacun tournera son épée contre son frère. Voilà comment le Seigneur va les détruire, en fait. Les nations vont s'associer pour aller attaquer Israël et le Seigneur va mettre la confusion entre les nations, là où l'Allemagne va se tourner contre la Russie et commencer à combattre contre son propre allié en Israël là-bas. C'est là où les nations vont reconnaître, mais ils sont partis, elles sont parties alliées contre Israël et arrivées là-bas, elles vont devenir adversaires les unes contre les autres. Ça, c'est le Seigneur qui va faire cela. Chacun tournera l'épée contre son frère. J'entrerai en jugement par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir une pluie torrentielle et des grêlons. Si on lit la suite de Zacharie 14, c'est ça qu'on va voir. Le feu et le soufre. Voilà ce qui va ébranler toutes les nations qui viennent contre Israël. Elles ne savent pas qu'elles sont attirées là-bas par le Seigneur pour le jugement. Le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes. Et les peuples nombreux qui seront avec lui. Aucune des nations qui viennent là ne va échapper. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations. Parce que le Seigneur va apparaître physiquement. Personne ne pourra discuter de l'éclat de son avènement. Personne ne pourra remettre en doute la victoire d'Israël contre toutes les nations de la terre rassemblées. Personne ne pourra mettre en doute que c'est le Seigneur qui est venu, qui a intervenu pour libérer Israël. Je manifesterai, nous sommes au verset 23, ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux des nations qui reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Donc, ce que nous voyons manifester à Jérusalem, nous avons lu la prophétie dans les détails. Nous avons vu les exhortations que le Seigneur Jésus-Christ donne à son Église. Lorsque nous verrons tout cela arriver, le Seigneur a dit, Marc, chapitre 13, je vais finir par là. Marc, chapitre 13, verset 23, ça sera le dernier verset pour cette partie-ci. Marc, chapitre 13, verset 23, le Seigneur a dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Amen. Pour ceux qui ont supporté d'écouter le partage jusqu'au bout, je crois que ça nous permettra de voir un peu plus clair dans l'actualité.
et de savoir que tout ce qui se passe là, c'est écrit dans notre Bible. Amen. Merci frère Jean-Charles pour l'icône. L'icône qui nous rappelle l'imminence du retour du Seigneur. Merci beaucoup. Amen, amen, maman, gloire à Dieu. C'est vraiment, je bénis le Seigneur pour la question de la sœur. C'est vrai que tout est dans la parole de Dieu, hein, vraiment. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.